Demain, on va jouer à un jeu. Ça va être génial. Je t'en dis pas plus. Chloé, j'ai un peu peur de ce que tu vas m'annoncer demain. Parce que sans vouloir te vexer, j'ai un peu peur de toi. Mais non, Imad, ne t'inquiète pas, voyons. Je ne suis pas dangereuse. Allez, bye, à demain. Oui, à demain, Chloé. Ah, Chloé, elle est toujours aussi imprévisible. Je suis tellement pressée d'être à demain. Braquer toutes les maisons de Brookhaven. En plus, Imad, c'est un gros peureux. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et puis, il me remerciera plus tard. J'en suis sûre. Oh, oh non, c'est pas possible. Je suis en retard pour l'école. Oh non, 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 vite. Il faut que je me dépêche. Allez, allez. En plus, Chloé m'attend. Vite, il faut que je me dépêche. Ah, c'est bon, je la vois. Elle est là. Chloé! Oh là là, c'est pas trop tôt. Bon, je voulais te dire hier que nous allons voler les maisons de Brookhaven. Attends, t'as dit quoi là? On va quoi? Ne pose pas de questions, je t'expliquerai tout en détail. Allez, dis-moi! Oh là là, ça m'a rendu folle, tous ces cours de mathématiques pendant 2 heures. Bon, allez, viens à la cafétéria. Dépêche-toi. C'est normal que tu n'aimes pas les mathématiques. Tu ne travailles jamais en classe. Franchement, Chloé. Et attends-moi. Oui, au revoir, madame. Quoi? Chloé? Tu manges des chips? Mais tu sais que c'est gras. Et puis, c'est pas bon pour la santé. Prends une pomme. Une bonne pomme verte, c'est plein de vitamines. Délicieux. Franchement, tu devrais goûter. Oh, arrête de faire comme si tu m'entendais pas. Je te dis que c'est pas bon pour la santé et tu continues d'en manger. Tu vas arrêter de faire ta chouchotte. Ce n'est pas des chips qui vont me tuer. Maintenant, laisse-moi tranquille. Ok, mais je t'aurais prévenu. Viens à 3h du matin devant le collège. On va s'amuser. À moins que tu aies la trouille, bien sûr. Arrête de dire ça. Je n'ai pas la trouille. Je viendrai. Ok, bah c'est ce qu'on verra. Allez, à tout à l'heure. Ouais, ouais, à tout à l'heure alors. Chloé, là j'ai vraiment peur. Mes parents dorment. C'est pas possible, je... Oh là là, arrête de dramatiser pour rien. T'es un vrai peureux. Sors de chez toi sans faire de bruit et puis c'est tout. Allez, sors, dépêche-toi. Chloé, je suis vraiment en stress. C'est la première fois que je sors en douce. Je savais que t'allais te dégonfler. Franchement, je suis un vrai peureux. Bon, c'est bon, laisse tomber. Je demanderai à quelqu'un d'autre. Bye. Bon, t'as gagné. J'arrive. Eh ben voilà, quand tu veux. Allez, à tout à l'heure, Imad. Plus tard, il me dira merci. En plus, nous allons être riches. Enfin, je vais être riche. Chloé, il n'y a personne dehors. Ça me fait vraiment peur. Non, je sais pas quoi dire en fait. Je stresse. T'inquiète, ça va aller. C'est ta première fois. C'est normal que tu paniques. Et j'ai quelque chose dans mon sac. Mais vaut mieux pas que tu saches, sinon je suis encore plus paniquée. Viens. Pourquoi tu paniques jamais? Tes parents, ils disent quoi eux? Et pourquoi est-ce que je les ai jamais vus? Bon, d'accord, même si je n'aime pas parler de ça, mais je te dois des explications. J'ai été abandonnée à la naissance, et un jour, un vieil homme m'a vue et m'a pris. Et il m'a nourrie, il m'a logée, il a tout fait pour moi. Et peu à peu je grandissais, peu à peu il vieillissait. Et un jour, pour mon anniversaire, on a décidé de m'acheter un gâteau. Et il a traversé, j'ai essayé de lui avertir. Mais hélas, c'était trop tard. La voiture ne l'avait pas vue. Bon, c'est bon, allez. On change de sujet. Je n'aime pas parler de ça. Allez. Et puis, c'est du passé. Moi, je ne pense qu'à l'instant présent. Allez, on y va. Et ne reste pas planté là. Bouge-toi. Allez, hop hop hop. Allez, on y va. Je suis vraiment désolé pour toi, Chloé. Si je savais...
J'aurais tout fait pour te remonter le moral. Désolé pour ton père adoptif. Je t'ai dit que je ne voulais plus parler de ça. Maintenant, c'est du passé. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, je pense au présent. Allez, dépêche-toi. D'accord. Chloé, j'ai vraiment peur là. C'est pas possible, on est vraiment à l'intérieur d'une maison. Je le sens vraiment mal, cette histoire. Non, en plus c'est très mal de voler les gens. Je comprends pas pourquoi on fait ça déjà. Pense à l'argent. Ne te dégonfle pas. Nous sommes droit au but. Et dépêche-toi de me suivre, sinon tu n'auras aucun argent.